Allez, on file tout de suite rejoindre Romain Daubry pour entamer cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine. Romain qui suit la séance pour nous depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, le CAC 40 qui semble vouloir s'installer au-dessus des 6700 points. Ouais, c'est le niveau qu'on évoquait, surtout 6685 sur le futur. C'est le trading range au sein duquel on évolue depuis une dizaine de jours. Le petit trading range, en fait, il y en a deux et un beaucoup plus large. Donc, à 6539, 6685,5, le petit, on essaie de s'installer au-dessus. Le trading range large, comme c'est le cas pour les indices européens qui évoluent dans les grands trading ranges, c'est 6456 en bas, 6814, 6456, c'est le pied du gap qui a marqué la rupture avec la tendance baissière. Ensuite, il y a l'Eurostox qui lui aussi évolue toujours dans un trading range, c'est 3754 en bas, 4073 en haut. Et puis, on a les indices forts et l'indice fort du moment qu'on présentait, c'est le Nasdaq, qui s'approche de cibles importantes. 15090, c'était la première cible qu'on visait sur l'impulsion haussière. 15545, pourquoi pas des extensions? Mais ce sont des niveaux importants, ce sont des niveaux au-dessous desquels le marché s'est retourné, a accéléré à la baisse et qui étaient des figures de retournement baissière qui se sont construites pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, il va être encore une fois difficile de réintégrer. Donc, la logique indicielle, elle semble compliqué pour l'instant, même si on constate effectivement un petit regain d'intérêt sur notamment du côté du futur CAC 40 et puis des portefeuilles toujours couverts, des investisseurs prudents, ce qui va dans la logique d'une hausse possible. Alors c'est plutôt le stock picking qui nous intéresse en ce moment. On note qu'il n'y a pas de logique sectorielle forte. Alors il y a toujours un coup d'avance pour les secteurs qui sont liés aux matières premières, que ce soit les ressources de base, le secteur oil and gas, que ce soit les énergies d'une façon générale, les valeurs liées à l'énergie et les énergies elles-mêmes, même s'il y a des retracements importants sur les énergies elles-mêmes, mais on va préférer maintenant les valeurs qui vont bénéficier de la hausse récente. Et puis, en dehors de cette logique qui n'a pas vraiment changé, il y a un secteur qui surperforme depuis quelques jours et qu'on a choisi de travailler nous sous forme de panier, qui est le secteur automobile. On a vu que des valeurs comme Valeo, Faurecia sont revenues sur des niveaux de support qui dataient de 2013, voire 2015, et qui étaient des niveaux qu'on avait testés au moment de du creux de la crise Covid. Donc, ce sont quand même des niveaux importants. Alors ça, c'est plutôt pour les investisseurs de long terme, mais il semble y avoir des points d'entrée et en cas d'amélioration, des choses à faire. Donc, soit du côté des valeurs, soit du côté des équipementiers. C'est pour ça qu'on le choisit à titre investisseur sous forme de panier. Sinon, on fait du stock picking sur pas mal de valeurs. Alors, on a allégé ce matin sur une valeur comme Fugro, qu'on travaille depuis 3 semaines déjà. Mais on reste haussier sur le titre pour des objectifs encore importants. Et puis, on a pris des titres à plus court terme, comme Claranova ou Nacon, qui sont des valeurs sur lesquelles on détecte des potentiels de hausse qui peuvent être intéressants. Alors, il y en a pas mal, beaucoup d'activités sur ces valeurs individuellement. Et c'est plutôt ça, à mon avis, qu'il faut pratiquer en rappelant qu'on est dans une séquence de rebond dans un mouvement globalement baissier et que donc les risques de réplique baissière sont importants ou les risques de stagnation et d'évolution dans un trading range large sur les indices peuvent avoir lieu pendant quelques temps maintenant. Merci beaucoup pour cette lecture. Romain Daubry, donc, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Le CAC 40, lui, progresse de 2,13%. On est à 6729 points. L'eurodoll est à 1,1028.